Bonjour à tous. Je vais vous parler de la conjonction de Mars et Pluton qui est en phase rétro. Elle sera effective le 26 avril à 21 degrés dans le signe du Capricorne. Alors si vous avez des planètes dans ce troisième décan, il se peut que, et puis sans aucun doute, que vous serez impliqué dans cette influence qui demande quand même de garder un certain contrôle sur ses pensées, ses actions, parce que ce sont des forces occultes qui vont être présentes durant plusieurs jours jusqu'à la pleine lune. Et voilà, il faut essayer de rester zen et de rechercher voilà, de rechercher le positif autour de soi. Surtout si vous avez des aspects de Mars et Pluton dans votre ciel de naissance, conjonction, opposition, carré. Vous pouvez avoir l'impression d'être le jouet de forces invisibles. Bon, Pluton, c'est quand même aussi Hadès dans la mythologie. C'est le caste invisible. C'est des choses qui se font. Vous voyez, voilà, c'est inconscient, ce sont des forces psychiques. Je vais vous partager quelques extraits. Tout d'abord, un livre que j'aime beaucoup, voilà, Astrologie et les essences florales de Brigitte Thelen. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que je recherche toujours le côté positif parce qu'elle donne les deux tendances. Et je vais vous partager voilà, le potentiel de cette conjonction. Défend un objectif sans compromission. Libère des énergies immenses. Grand esprit. Combatif. Conduit des investigations dans des domaines interdits et secrets. Sexualité intensive et passionnée. Charme sexuel magnétique. Bon, avec Pluton rétrograde, il y aura quand même un enseignement à retenir avec cette conjonction. Il y a un message quand même à apprendre. Il y a quelque chose à cultiver en soi. Il y a un gros travail parce que cette conjonction avec Mars-Pluton, il y a quand même un gros potentiel pour détecter, pour faire ressortir de l'ombre quelque chose d'enfoui. Vous voyez, c'est, et puis des petits déclics comme ça, c'est voilà, des petites vérités comme ça qui vous viennent comme ça subitement, c'est voilà, et qui peuvent vous éclairer sur votre chemin. Je vais vous partager aussi voilà, de ce livre Astrologie, Interprétation, Guy Dupuis. Voilà, c'est quelque chose que j'ai retenu, c'est Pluton est une planète qui sait. On peut tout expliquer en remontant à la source, aux causes premières. De là provient son côté morbide et perverti lorsque Pluton opère le nettoyage de la partie cachée de l'individu, qui cependant peut déboucher sur l'initiation ou sur la perversion. Voilà, tout dépend aussi de votre état psychologique. Bon, comme je vous ai dit, il faut quand même rechercher une ouverture positive, hein, il ne faut pas s'accrocher à ce qui... parce que c'est vrai que dans les livres traditionnels, c'est vrai que cette conjonction n'a pas bonne réputation. Hein. Alors,
Il y a un livre là aussi de l'astrologie de Claire Ross et Annie Paquet. Voilà ce qu'elle dit sur la conjonction de Mars-Pluton. Alors là, c'est du pur et du dur. Noyau d'agressivité pure, conjonction des colères insensées. La pulsion est très puissante et met en action l'énergie la plus profonde de l'être. D'où des phobies d'impulsion, peur de commettre un acte violent. Voilà, bon, il parle aussi de projection, défense appelée projection. Voilà, c'est certainement qui peut. Les personnes très sensibles, elles seront certainement touchées par des projections, quoi. Et voilà, sans s'en rendre compte, quoi. Et c'est vrai qu'avec avec cette conjonction, on peut être attiré par par les influences négatives, quoi, sans délecter, quoi. Hein? Donc, il va falloir être très prudent quand même. Hein? Voilà, je vais vous partager aussi quelques pensées de l'auteur de Catherine Aubier. Ça, elle a écrit toute une série d'articles. Je trouve c'est vraiment formidable pour les débutants. Hein. Et là, c'est prévoir par l'astrologie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle dit sur les transits de Mars et Pluton? Alors, au niveau de l'humeur, le sujet est mu par une sorte de force intérieure. Il vit et vibre intensément, se sent capable d'accomplir des tâches difficiles, de mettre en place d'importants changements. Le sens, découvrir en soi des énergies insoupçonnées. Le piège, une force non utilisée, risque de se retourner contre soi. C'est ce que je vous disais, il faut faire très attention parce que les forces avec Mars et Pluton, elles sont plutôt archaïques. Vous voyez, c'est de l'ordre de la primarité. Voilà, il n'y a pas vraiment de contrôle sauf quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui a fait un gros travail de développement personnel. Voilà, on peut ressentir les énergies à l'œuvre, mais pas forcément si voilà, on n'a pas fait de travail. On va être sujet justement à ces énergies assez volatiles et puis qui peuvent comment dire? Mais vous pouvez agir voilà inconsciemment voyez voilà le joug des forces vraiment inconscientes quoi. Donc il va falloir être très prudent hein. Et voilà rechercher quand même voilà des auteurs qui vous apportent quand même une interprétation plutôt. Bon, il y a Dan Rudiard, il y a Luc Biget aussi qui est bien aussi. Voilà, mais voilà, il a planète rétrograde, Terre intérieure. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, j'avais noté quelque chose. Voilà. Et là, c'est plutôt pardon, avec Pluton rétrograde. Ce que j'ai bien aimé, il parle aussi, il représente les tempêtes sauvages et indomptables du monde magique. Parce que c'est vrai qu'avec Pluton, et quand il est rétrograde, on va vers quelque chose. Voilà, si vous êtes sensible au monde magique, à la spiritualité, voilà, voilà, vous pouvez rechercher les côtés positifs de Pluton. Voilà, il n'y a pas que les forces obscures, les parts d'ombre. Voilà, tout dépend de la psychologie de la personne. Voilà, ce que. Alors ensuite, la volonté de Dieu, des profondeurs, s'impose à l'homme comme une force sauvage et indomptée, puissante et tellement immense. Nietzsche en perçut la magnifique sauvagerie et la nomma volonté de puissance. Voulez-vous un nom pour ce monde? Une solution pour tous ces énigmes?
Ce monde est la volonté de puissance et rien d'autre. Voyez donc, si vous ne voulez pas être le jouet de quelques influences voilà, qui vont se manifester, de toute façon, elles sont en œuvre, elles sont partout. Les énergies, elles sont partout. Donc, voilà, vous avez été prévenu et recherchez plutôt des lectures qui vous inspirent à monter dans les hautes vibrations, des vibrations de fréquence, voyez, spirituelles. Voilà. Bon, j'espère qu'avec ces quelques réflexions que je vous aurai inspirées, et si vous avez aimé, ben, je vous invite à commenter, à partager, à vous abonner, double clic, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.